Les Covenants estiment que ce qu'ils appellent le cartographe silencieux est sous cette île. Le cartographe est une salle de cartes qui nous mènera au centre de contrôle de Halo. L'île est dotée de multiples structures et installations. L'une d'elles abrite la salle des cartes. Nous approchons de la zone de dépose. Ça va être chaud. Préparez-vous à être secoué. Atterrissage. Allez-y, Marine. Allez, 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 allez. Hop, alors ouais, désolé, je vais changer mes paramètres. Incroyable. Alors, comment on dégage? Tu veux conduire ou je le fais? Ok, allons-y. Il faut trouver la salle de cartes pour connaître l'emplacement du centre de contrôle de Halo. Alors, continuer à la plage, je suppose. Ouais. Checkpoint. Alors la dernière fois je t'avais dit qu'il faut rester mobile, c'est toujours vrai, par contre t'es pas obligé d'aller vite tout le temps. Si tu vois que je peux viser un peu mieux, l'idée c'est de rester mobile mais tu peux, voilà, enfin faut jauger, c'est pas facile. Le truc c'est que pour redémarrer quand... Bah ouais, c'est vrai qu'on peut se voir ce plan. Ouais, next. Là, dans la paroi de la falaise, je parie que le cartographe silencieux se trouve là. Bam ! Je aussi les écraser, oui. Méfie-toi quand même quand t'es très près et que tu dois faire de demi-tour, ils ont des grenades dans deux fois quand même. Mais là, pour manœuvrer, pas bien bon. Est-ce que... J'entends. Alors on tirera pas dedans jusqu'au bout avec le Warthog, hein, je pense pas. Non, je pense pas. Non. C'est pas forcément conseillé même, je dirais. Doit être ici. Selon mes analyses, la salle des cartes devrait être au sous-sol de cette installation. Entrons là-dedans. Warthog, on peut le laisser de toute façon.
Oui, enfin, de toute façon, t'inquiète, la mission, elle nous emmène ailleurs après, on va reprendre. Empêchez-les de verrouiller les portes. Ah, merde. Merde, merde. Désolé, c'est moi. C'est ma faute, j'ai un peu trop je attaqué. Je pensais pas que les Covenants maîtrisaient si bien les sous-systèmes. Ah, mais tu t'es foutu juste devant moi quand j'ai mis grosse rasade. Comme il venait de dire empêcher de fermer les portes, j'ai essayé de balancer une grenade à l'autre qui était derrière. Mais merde, je crois que j'ai plus le petit. Je vous écoute, Cortana. Vous avez trouvé le centre de contrôle. Ah, tu vois, il est là, l'autre. Et lui, c'est un balèze. Les Covenants nous barrent la route. L'enfant. Pour continuer, nous devons désactiver le système de sécurité de l'installation. Ouais, c'est ça. En fait. C'est pas ici que ça se passe tout de suite. Compris. On se dirige toujours vers l'objectif. Une fois qu'on y sera, le contact sera peut-être coupé. Vous avez ordre d'utiliser tous les moyens nécessaires pour entrer dans l'installation et trouver le centre de contrôle de Halo. Nous devons arriver au centre avant les Covenants. Il n'est pas question d'échouer. Et toi, tu me suis pas, toi, le gars, avec la Je reste en position et je garde l'œil sur les Covenants. Ah merde! Une section prête à intervenir dès que tout le monde sera sur le niveau supérieur. Ah, désolé. Non, mais t'inquiète, j'ai pas prévu. J'étais pas prévu d'un pourtant. J'ai pas prévu. Ouais, non, mais j'ai pas prévu comme quoi je venais derrière. C'est vrai que je regardais pas. Alors, il y a des ennemis en bas en plus. Ah, c'était pas prévu comme ça. C'est pas grave. Il y a un peu de par mur là si tu veux, si ça t'intéresse. On peut pas. Oh, on peut le retourner. Ouais. Et c'était ça que je disais. Tant pis, hop, je prends. Voilà. Ouais. Et notre ouais, je tiens un peu, tiens. Notre copain, ouais, bah ouais. Il arrive, il arrive. Et effectivement, il n'y a pas de klaxon, je suis triste. C'est vrai qu'il est un peu lourd lui, mais ça va, d'habitude. On dirait qu'un passage mène à l'intérieur de l'île. Merde, putain, il y a un trou ici. Alors c'est exactement ce que je t'ai dit de pas faire, c'est-à-dire rester au milieu et ne pas bouger. Il y a un autre à avoir fait. Ouais. Ouais, parce que c'est vraiment une mission, si jamais on se fait détruire le nôtre, c'est chiant. Donc voilà. Et donc je pense que... Ça se passe pas. Non, pas sûr non plus qu'on puisse y aller. Ouais, non. À pied. J'ai pas de bonne arme. Ah oui, quand je t'ai buté, ah, j'ai pas pensé à te dire de ramasser ton gun. Et il te fait réapparaître avec un pistolet plasma en fait. Mmh. Il est arrivé aussi. Et on arrive ici sans gros armes. Ok. C'est pas grave. Là, il y a des trucs, il y a du soin, il y a des machins. Ah, c'est bien ça. Tiens, remarque, je prends le pistolet prendre de base. Moi aussi. Ouais, j'ai pas mal de munitions, ça c'est cool. Alors, en plus, ils nous ont pas vus, c'est assez étrange, mais ok. Alors, je tente un truc. Reste de l'autre côté. Je tente un truc, je vais essayer d'en avoir un direct. Et j'ai pas de munitions, c'est cool. Je viens de ramasser un gars sans munitions. C'est les parties vertes, on est d'accord? Ou les parties. Non, non, c'est les parties. Orange, ouais. Ah, alors, tu peux viser celui de droite et je vise celui de gauche. Vraiment dans la partie orange dans le dos, ok? Ouais, c'est bon, j'ai. Ok, à 3. 2, 3. Oh, joli! Oh là, incroyable!
Oh là là là. Allô ? Oui, allô, Greg. Devenez là. Tu es un chasseur avec une cartouche de pistolet. Eh ben, incroyable. Le petit trophée. Ah, incroyable. Là, c'est fort. Ça, je l'ai jamais fait, ça encore, tu vois. Même avec mon frangin ou avec mon pote avec qui je faisais de la colle tout le temps. Par contre, on l'a tout fait avec ça, quoi. C'est comme à bord, alors, je suis pour un peu dans ce truc là. En fait, je me suis fini. J'arrive plus à retrouver mon flingue de base, putain. Ah bah voilà. On peut leur montrer. Ah mais comme on en a déjà, on peut pas en ramasser plus. Ok, c'est pas grave, on repassera par là je pense de toute façon. Faut bien l'armée à Issa. Ah, oula, attends. Oula. Ah ouais, alors c'est dégo encore, putain, encore eux. Faut que tu... Alors, moi je suis repéré, à la limite essaie d'avoir le tien, c'est dans le dos là. Ah ouais. Non. Faux. Nul. Okay. Merci. Ouais, c'est bien là. On voit le sang qui coule. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas une arme précise ce que t'as pris, donc... Bah oui, mais j'ai pas d'arme sur Aziz, en fait. Ouais. Parce que j'ai plus mon flingue, j'ai le... Ah, c'est pas grave. Oh, putain, il m'a fait voler, mon corps. Ok. Ouais, ici, c'est dangereux, quoi. On a des... Ah, ouais. Les ennemis, aussi. Qu'est-ce que c'est que cette carabine ? Utilisez le panneau holographique pour couper le système de sécurité. Bien. Ça devrait ouvrir la porte menant au puits principal. C'est que ce prédateur, là ? Ouais. Bah en fait, ils ont tous une tête comme ça, un peu à la prédateur. Hein. Sauf qu'il y en a, ils ont un casque où on voit pas trop. Alors, je sais pas si on peut pas trouver un petit bonus par ici, quelque part, non ? Ça a pas l'air. Bizarre cet endroit là, tout seul là. Ouais. Ah ! Donc là. De quoi ? Ah non, j'ai failli tomber en fait. Bon, donc là, bah, on va remonter. Je sais plus quand est-ce qu'on va le revoir, notre ami avec TP. Compris, on arrive. Ah. Là, il y a des copains. Ah. Oh putain. Merde, il est dans mon dos.
Ah, mais c'est parce que j'ai plus de munitions dans mon truc, c'est pour ça que je me disais, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'arrive pas à lui tirer dessus. Ah, les munitions de batterie, je suis pas habitué. Tu reprennes ton... Ah, peu de munitions, moi ça. J'avais un petit gun quelque part, non? Non. Ouais. Non. Ouais, ça me plaît bien, allez. Ah, je t'ai fait sauter peut-être. De quoi? Je t'ai fait déporter, non? Non, non. On était pas très loin, donc ça l'a pas trop perturbé. Je l'ai vu le saut, mais... Donc... Bam! Chef, là, t'as des... N'oublie pas qu'ici, t'as des... Ouais. J'ai pensé que ça nous aiderait à combattre les Hunters. Descendons sur la plage. Essayez de sauver la cargaison. Ah bon, okay. Comme ça, là? Ouais, alors, on peut avoir les grenières d'ici, déjà. Hop, un, qui est mort. Ah merde, ils s'enfuient, les autres. Tant pis. Alors, le problème, c'est que... ici, j'ai plus en tête les hauteurs dans ce jeu. Dans les autres, on peut tomber d'à peu près la hauteur qu'on veut. Là, c'est pas le cas. Ah ouais, ça fait beaucoup. On doit pouvoir descendre par là. Allez, je tente. Ouais, heureusement que j'avais l'armure, on va dire. C'est peut-être pour ça qu'elle est là, d'ailleurs. Okay. C'est bon. On glisse, on vient. Des choses là où je suis sûr. Alors, on va avoir droit à un lance-roquette. As-tu le lance-roquette? Hop là. Ah, oh, je suis sur le vaisseau. Coucou. Hein? Donc, t'as le droit de le ramasser, le lance-roquette. Les espèces de bandes caisses là, c'est des munitions. C'est d'accord. Ah, alors peut-être les gaspille pas sur du menu crottin par contre, parce que le lance-roquette on a pas tant que ça. D'accord. C'est bien de les garder pour les hunters par exemple, même si finalement ils sont pas si durs que ça à buter. Quand on a un Warthog et un lance-roquette, ouais. Allez. Hunter et Elite quoi, le lance-roquette, hein, c'est pas la peine de... Roger. C'est pour les hunters avec. Ok. Qu'on a démarré du coup, ouais, voilà, tu vois, il y a des crétins. Secours! Ben, pousse-toi! Oh là là! Alors, si tu attends, il y en a un qui va monter avec nous. Ça va voilà. Chauffer. Ouais, allez, c'est parti. Parti. Et alors, il y a pas sûr qu'on a raté aussi tout à l'heure. Là où on a buté des ennemis, là, justement, à gauche. Quand il y a des ennemis en général, ça veut dire que potentiellement il y a des trucs à chercher. Là, par ici à gauche, parce qu'il n'y a pas de petites choses. Je regarde, hein, s'il n'y a pas des trucs. Attends, c'est quoi? Je prends le volant. Je vais aller là où j'ai en tête. Oups. Hmm? Il y a un truc là-haut, là. Il y a des potes, là. Non, c'est juste des corps, en fait. Ah, puf. Là. Il n'y a rien. Okay. Bah, oui, il va y avoir les hunters là. C'est pour ça qu'on a un lance-roquette.
Ah, mais c'est pas la bonne personne. Bah, descends. Merde. Ouais, c'est pas grave. Toi, t'as le lance-roquette, tu peux aller les défoncer comme ça. Moi. Bam! Bam! Quoi? T'es pas mort? Ah, il en rend peut-être pas qu'une, hein. Parce qu'ils ont leur bouclier, là, mine de rien. Hein. Écoute, ils sont dégagés. C'est tout ce que je vois. Alors, fais gaffe, souviens-toi qu'il y a un copain avec une épée par là. Qui est assez balèze. Et potentiellement invisible. Ah! Je ne suis pas sûr de ça, mais t'as un lance-roquette, cela dit. Passe devant. Ouais, c'est devant. Hein. Bizarrement, parfait. Ah, téléportation, tiens, j'ai mon cadavre ici. Ouais, non, il est pas là, je crois qu'il va réapparaître plus tard quand on aura fini. Bon, je prends mon arme de base, parce que si je tombe sur un ennemi à la con, et... Et puis, épuisant. Oula. Ne fais pas un pas de plus. Derrière, il y a du mouvement. On va plus le grenader. Face par en haut. Je pense qu'on va plus le grenader par. Ouais. Prends la dans ta gueule. Comment je veux. En haut, c'est sympa aussi. Oula, attends, il en reste un quelque part qui est pas mort. Tu es toi. Alors des fois, ouais, c'est le problème, il y a des étages. Hop, je suis un vaisseau. Il est descendu, je sais pas où là. Va falloir que tu suives le chemin ou que. Merde, bon bah ils m'ont vu. C'est pas grave. On va faire un truc, c'est ça, non? Il y a deux hunters là où je suis. Moi je suis plus au même étage. Il faut que tu avances ou que tu trouves par là où je suis passé, mais c'est très compliqué. Donc avance. Je suis à ton étage. Il y a deux hunters, fais gaffe, les gros balèzes là. Ouais, ouais. Bonjour monsieur l'hunter. Paf! C'est bon. Il y a le deuxième, attention. Je le prends par derrière. C'est bon, il est mort. Ah non, bah non, pas besoin. Ok, ok. J'ai découvert un passage secret que je n'avais pas du tout connu dans le jeu d'origine, quoi. Je suis passé directement à l'étage inférieur. C'est quoi ici? Par là, t'es passé peut-être? Ouais, ouais. Par là, oui, c'était là où je suis venu, mais l'autre escalier en fait. Espèce de collimation là, un peu. Ouais, ouais, ouais. Ok. Warhammer à équipe terrestre, deux vaisseaux de largage arrivent sur vous. Oh non! Ok, attention, les gars! Il y a quelqu'un sur le radar. On a de la compagnie tirée à vue sur les forces ennemies! Ce serait plus facile de les combattre de l'intérieur de la structure. Vous pouvez y aller? Négatif, ils arrivent trop vite. Négatif.
Chef, trouvez le cartographe. Okay, c'est bon, on signe, va les occuper le plus longtemps possible. Écrasez-les, les gars. On a intérêt à sortir d'ici avant l'arrivée des autres renforts. Trouvons cette carte. C'est quoi ça? Un camouflage. Ah. Mais pas loin. Il y a plein de monde là. Deuxième. Merde, je pars, je tiens plus. Comment passer devant. Merde, faut pas me faire un là. Ce panneau holographique. Alors, devrait activer. Ce panneau, je vais quand même chercher autre chose avant de l'activer. Est-ce qu'il n'y a pas de trucs autour? C'est le genre d'endroit où on peut trouver. Alors, il y a de l'armure, mais peut-être faut la prendre après. On la prendra après. Analyse. Le centre de contrôle d'Halo se trouve là. Si mon interprétation est bonne, cette structure est une sorte de temple ou de sanctuaire. Intéressant. Un sanctuaire n'est pas un lieu habituel pour abriter une telle installation. Cortana à Capitaine Keyes. Et t'en es où niveau vie? T'as toute ta vie ou pas? Ouais, je te passe. Alors, je prends l'armure, parce que son moi, c'est vaisseau pas doit être hors de portée, ou alors il a des problèmes techniques. Réessayez. Prévenez-moi quand vous aurez rétabli le contact, et dites-lui que l'adjudant et moi avons trouvé l'emplacement du centre de contrôle. On s'y rendra dès qu'on aura rejoint le niveau supérieur. Alors, méfie-toi, pour moi, c'est à ce moment-là que le gros balèze à l'épée, potentiellement camouflé, va apparaître. Alors, attends, là, t'es où? Je suis allé derrière, voir s'il y avait des trucs. Ouais, super possible. On fouille, mais... Comment il... La plateforme, là-haut, j'aimerais bien y aller, je sais pas comment il va. Ah. Bah, je crois que j'ai déclenché le... Ah, mais là, c'est ah, bon. Ah, oui. Bon. Guitare. La grenade m'a fait mal celle-là. C'est là-haut, là. Putain, je suis paumé. Ah, mais d'accord, je vais juste passer par là.
fouille un peu en bas là-bas. Et j'arrive. Ah, parfait. Ok. Faut pas hésiter à prendre les armes alien après. Ouais, ouais, je. Parce que là, mon truc, il y en a plus en fait. Il y a du monde encore par là. Ok. Putain, collé. Et il est parti exploser à côté de ses copains, parfait. J'ai de la vie. Cool ici. T'as pas besoin de vie? Si, moi j'ai besoin un petit peu de vie, ouais. Pas où qu'il y en a. Oh, merci. Prépare-toi à reculer, je pense. Non, c'est pas ici. Faut buter les petits cons. Avant de te rejoindre. Ouais, c'est là que je t'ai tombé pour aller à l'étage de dessus. Okay. Et de l'autre côté, est-ce qu'il va pas y avoir un truc? Ok, je l'ai raté ma grenade, il va venir me buter à l'épée. Il m'a eu. Sans que trop tard. Je pensais être en train de fouiller, en fait je suis allé vers la sortie. Je pensais aller vers la sortie, en fait je le fouillais. Alors tu sais. Je visite vite fait, ouais. Ouais, c'était là où j'étais en fait, en train de me dire, bon, c'est où la sortie là, c'est pas grave. Mais non, c'est la porte. Alors, attention, il y a une autre porte. Non, mais là, ça te ramène dans la salle. Ah, ouais, ok. Cortana à Echo 419.
Le chef et moi sommes au niveau supérieur. Évacuation demandée. Putain, mais un mec là. Ah ouais. Bien reçu, j'arrive. Ouais, il m'a tué. Bâtard. Reprends tes armes. Enfin, si tu veux les garder les mêmes, hein. Parfait. Allons-y. Fauxhammer, voici les coordonnées et le plan de vol que j'ai établi. Cortana, ces coordonnées sont souterraines. Les Covenants ont effectué une étude sismique approfondie et, selon mes analyses, Halo est criblé de profonds tunnels qui encerclent tout l'anneau. J'espère que votre analyse est juste, Cortana. Ce pélican n'est pas conçu pour ça. Positivez, Fauxhammer. Les Covenants s'attendront à tout, sauf à une intervention aérienne. Par le sous-sol. Ouais, c'est logique. J'aime bien Cortana dans les premiers Halo. Tu l'aimes moins dans ceux d'après, c'est ça? Merde.